Indira Ampiot, Miss France 2023, qui sont les Miss France présentes à son voyage d'intégration. Indira Ampiot n'échappe pas à la tradition de son voyage d'intégration. Miss France 2023 est partie faire du ski à la Rosière et est entourée d'anciennes reines de beauté, qui vont bien prendre soin d'elle. Malgré la passation de pouvoir entre Sylvie Tellier et Cindy Fabre, il y a des traditions qui ne changent pas dans le monde de Miss France. Pendant un an, une heureuse élue est chargée de représenter la France et va avoir le droit de vivre un rêve éveillé. Appartement de fonction à Paris, cadeaux à gogo, dressing rempli, coiffeur, maquilleur. Difficile de faire la fine bouche face à tant d'avantages quand on devient Miss France. Le 17 décembre 2022, c'est Indira Ampiot qui a été élue Miss France 2022. Je suis impatiente de la voir s'épanouir pendant son année. Et surtout, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir dans vos régions. C'est une vraie gentille, c'est rare de nos jours, s'exclamait Miss France 2022 sur Instagram. Indira Ampiot est entourée d'anciennes reines de beauté. Et cette semaine du mois d'avril est très importante pour Indira Ampiot. Comme le veut la tradition, Miss France 2023 est partie pour son voyage d'intégration. Elle n'est évidemment pas seule, puisque d'anciennes Miss sont présentes pour faire de ce voyage un souvenir inoubliable. Il y a bien évidemment Cindy Fabre, mais aussi Diane Lehrer, Amandine Petit, Clémence Bottineau, mais aussi Laetitia Bléger, Miss France 2004, et Valérie Pascal, Miss France 1986. Une petite troupe qui a fait le bonheur des internautes. Très sympa d'avoir des anciennes Miss qu'on ne voyait plus autant, qu'a fait du bien de voir d'autres visages de Miss enfin. C'était toujours le même cercle avec Sylvie Tellier, magnifique, photo top, profitez à fond, ont applaudi les abonnés de Cindy Fabre. Vous pouvez compter sur elle.